Bonjour et bienvenue sur la chaîne WinBrewTech, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, on va tenter de rétablir la connexion avec la caméra Android, c'est-à-dire quand vous voulez utiliser la caméra Android, eh bien vous recevez une erreur disant qu'il est impossible d'établir une connexion avec la caméra. Alors, ça peut venir de plusieurs raisons, c'est-à-dire vous avez peut-être téléchargé une application dernièrement. Et donc, il faut se rappeler de l'application que vous avez téléchargée et qui a pu changer les paramètres de votre téléphone et désactiver certaines fonctions. Et donc, vous recevez ce message, mais il n'en vient pas que de là. On va aller voir plusieurs astuces pour rétablir le problème. Donc, c'est parti. Alors, je vous mets le téléphone dans ce sens-là, et comme ça, vous verrez mieux les manipulations. C'est plus simple de le voir plus près. Alors, première chose, on va aller dans Paramètres. Vous allez dans Paramètres ici. On descend tout en bas. On va aller vérifier la mise à jour du logiciel. Si vous n'avez pas mise à jour du logiciel ici, il suffit tout simplement d'aller sur À propos du téléphone. À propos du téléphone, vous verrez sûrement la proposition de mise à jour du logiciel. Ensuite, on clique sur Mise à jour du logiciel. Mise à jour du logiciel, on va dans Téléchargement et Installation. On appuie sur Téléchargement et Installation. Une recherche de mise à jour. Et donc, pour vous, si une mise à jour est effectuée, est déjà à jour, si le système est déjà à jour, eh bien, vous n'avez rien à faire. Par contre, si une mise à jour a été faite au moment où vous recherchez la mise à jour, eh bien, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu, le problème de la caméra. On va aller sur le Play Store. Le Play Store. On va cliquer sur le lien, le logo en haut. On descend et on fait gérer les applications de l'appareil. On va sur gérer. Sur gérer, on fait mise à jour disponible. Mise à jour disponible, on vous donne toutes les mises à jour possibles à faire. C'est-à-dire que si vous avez l'application caméra de votre téléphone, eh bien, il faut faire la mise à jour. Une fois avoir fait la mise à jour, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre solution. On va sur l'application en question, appareil photo. On clique longuement dessus. Et on va sur le i de information. Si vous n'avez pas le i de information, il y a une autre possibilité d'aller dans la même option, c'est d'aller encore dans les paramètres. Ici même, paramètres. On descend jusqu'à voir application. Application, on clique sur application. On descend et on fait Application système. Application système, on fait afficher les applications système. On active. On fait OK en bas. On déroule et on va chercher l'application appareil photo. Appareil photo, on clique dessus une fois. Ici, vous pouvez à tout moment aller sur stockage, ici même. Vous videz le cache. Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez sur la même page et sur la même application. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer les données. Vous supprimez les données et vous redémarrez votre appareil. Cela résoudra sûrement le problème. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore sur cette page. Et nous allons voir d'autres options. Vous faites retour en arrière.
Vous remontez et on va aller dans autorisation. Autorisation, appareil photo, localisation, microphone, stockage et téléphone. On clique dessus. Ici, il se peut qu'il n'y ait pas de connexion avec l'appareil Android, avec la caméra Android, parce qu'il manque des autorisations. Et sans ces autorisations, l'application ne peut pas fonctionner comme il le faut. Pour ça, vous descendez. Et ici, important, accès refusé, aucune autorisation refusée. Si vous n'avez pas ce message, c'est que vous avez refusé une autorisation et que cette autorisation vous empêche justement d'accéder à votre application caméra. Voilà. Donc, moi, j'ai accès refusé, aucune autorisation refusée. Vous activez ici, si vous avez autorisé tout ou autre. Il faut ce message. Ensuite, ici, vous avez toutes les autorisations et vous pouvez demander à quel moment vous autorisez sur l'application. C'est-à-dire, ici, j'ai cliqué sur appareil photo, autoriser seulement si l'appli est en cours d'utilisation, ou bien toujours demander ou refuser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est autoriser seulement si l'application est en cours d'utilisation, ou bien toujours demander, une des deux. Et vous faites ça pour tout, localisation, autoriser seulement si l'application est en cours, et ainsi de suite, toujours demander. Vous revenez et vous faites toutes une par une, voir les autorisations. Et il faut surtout pas qu'il y en ait une de refusée. C'est pour ça que je vous dis que c'est autorisé seulement si l'appli est en cours d'utilisation, ou bien vous actionnez toujours demander. Ensuite, si vraiment vous aviez des autorisations refusées, eh bien, vous les activez sur autoriser et vous redémarrez votre appareil. Si cela n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Autre chose, vous pouvez forcer l'arrêt. Vous forcez l'arrêt de l'appareil. Vous faites OK. Et ensuite, vous redémarrez votre appareil et voir si l'application caméra fonctionne comme avant. Ensuite, ici, moi, il est activé sur vue en arrière-plan. Modification paramètres système. Autoriser que l'application modifie les paramètres du système pour mieux fonctionner. Prochaine astuce. On retourne dans paramètres. On va chercher gestion globale. Ici. On clique sur gestion globale. On descend. On va sur réinitialisation. On clique sur réinitialisation. À réinitialisation, on ne va pas réinitialiser l'appareil. Mais on va réinitialiser tous les paramètres. On clique sur tous les paramètres, réinitialiser. Paramètres de sécurité, paramètres de langue, compte, données personnelles, paramètres des applications téléchargées. Pourquoi? Parce que il se peut que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il suffit que vous ayez téléchargé une application et cette application a changé tous les paramètres et a pu désactiver justement des autorisations et a bloqué la connexion de votre caméra, de votre téléphone Android. Donc, le fait de réinitialiser résout beaucoup de problèmes sur votre téléphone. Et donc, vous faites réinitialiser. Ensuite, on vous demande le code. Vous mettez votre code pour ouvrir votre téléphone. Et ensuite, vous faites réinitialiser. Et vous suivez les étapes et vous attendez la réinitialisation des paramètres. Une fois que c'est réinitialisé, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu pour l'application caméra. Il y a une autre solution. Si aucune des actions n'a fonctionné pour vous, la dernière solution, c'est d'aller encore sur l'appareil photo, d'aller dans paramètres, ici, descendez jusqu'en bas. On va sur réinitialiser les paramètres. Donc, vous cliquez sur réinitialiser les paramètres, ensuite, vous faites réinitialiser. La fonction de tout à l'heure où je vous ai montré les paramètres à réinitialiser, c'est les paramètres du téléphone global.
Là, c'est réinitialiser les paramètres de la caméra Android. Donc, vous faites réinitialiser et une fois avoir réinitialisé, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. L'autre solution, c'est en dernier recours. En dernier recours, ce que vous faites, vous démarrez votre appareil en mode sans échec. Cela permettra justement de désactiver toute application suspecte au dysfonctionnement de la caméra. Ensuite, une fois sur le mode sans échec, vous testez votre application caméra, voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne, c'est donc une application que vous avez installée récemment et qui fait défaut. Et cette application, il faut la désinstaller. Donc, je vais vous montrer à peu près ce qu'il faut faire dans le mode sans échec. Dans le mode sans échec, j'y rentre en appuyant longuement sur le bouton arrêt. J'appuie sur le bouton éteindre longuement. Mode sécurisé. Appuyez à nouveau pour redémarrer votre téléphone en mode sécurisé. Les applications téléchargées seront temporairement désactivées pour vous aider à dépanner votre téléphone, comme je viens de vous l'expliquer. Vous faites donc mode sécurisé. En mode sécurisé, vous avez toutes les applications qui sont désactivées. Et là, on va voir si votre appareil photo fonctionne comme avant. Pour cela, on va aller dans l'appareil photo. Ici, appareil photo, on clique dessus. Ensuite, vous essayez votre appareil photo. Voir s'il fonctionne. S'il fonctionne, c'est qu'une application que vous avez installée récemment a créé le problème. Et donc pour ça, on revient en arrière et on va aller chercher, vous chercher les applications que vous avez téléchargées en dernier et qui a fait problématique à la caméra. Il faut vous rappeler à quel moment vous avez téléchargé l'application et à quel moment le problème est arrivé. Ce que vous faites, vous prenez l'application. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre cette application. Je le clique longuement dessus. Je fais information. Je fais désinstaller directement, mais il faut être sûr que ce soit l'application en question. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller l'application. Vous la notez. Vous redémarrez votre appareil. Et ensuite, voir si en mode normal, l'appareil photo fonctionne comme avant. S'il ne fonctionne pas comme avant, il va falloir revenir en mode sans échec et trouver cette application qui fait défaut à votre caméra Android. Voilà. Donc, c'est ou vous forcez l'arrêt, mais le mieux, c'est de désinstaller pour une efficacité et pour bien détecter l'application en question qui fait défaut. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous dépanner. Dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné ou pas. Même si cela n'a pas fonctionné, je vous recommande de m'informer dans les messages, dans les commentaires, si ça a fonctionné ou pas. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de vous dépanner si ce n'est pas un problème matériel. Bien sûr. Voilà. C'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à mes abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Vous êtes le bienvenu sur ma chaîne Windroid Tech. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.